ça tombe sur toi. Hein. Oui, donc ça va d'être rôde. C'est sympa. Rôde, ouais, je suis rôdée. Hein. T'es rôdée. Donc ça va. Ouais, ouais. T'as l'habitude. T'as, ouais, ça fait combien de temps que t'es rôdée? Ça fait 27 ans. 27 ans de rôde. Du coup, bon, on s'y fait quoi. Ouais. Je vis avec, en fait. Ouais, elle est sympa. Ça dépend des jours, hein. Mais bon, on va dire qu'en général, ça va. J'ai réussi à la dompter. Ah ouais. Ouais. Tac. Voilà. Super, ça. Et si tu peux nous décrire une journée normale de rôde. Oula, normal, hein. Ouais. Bah, je dirais que... Tu petit déjeunes, c'est ça? Le petit déjeune. Ouais, ouais. C'est bien. Avant, elle fait du yoga. Tu fais du yoga? Elle fait du yoga, Aude? Le matin. Wow. Après, elle se douche. Après, elle déjeune. Wow. Après, elle part à vélo au travail. Wow. Après, elle travaille, travaille. Après, elle part à vélo, elle rentre à la maison. Et tu manges pas? Elle mange pas? Ah ouais, midi. Si, elle mange des fois. À midi, ouais, cool. Donc, je suis directrice de l'Alliance française de Brno. Ça fait 2 ans maintenant que je suis directrice. Et voilà, ça me plaît. Il y a beaucoup de choses diversifiées. Donc c'est bien parce que c'est pas du tout monotone, parce que je travaille à la fois dans la partie pédagogique, où il y a toute l'organisation des cours, etc. Et puis après dans la partie culturelle aussi, où là c'est plus le contact avec les artistes, etc. Donc c'est, voilà, il y a plein de choses différentes, ça me plaît, c'est beaucoup de responsabilités, donc c'est un peu stressant. Ça, je pense que le stress, c'est on va dire le point négatif du travail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Entre les responsabilités et puis il y a beaucoup de choses à faire, donc ça c'est... Voilà, et puis sinon, ce qui est super, c'est qu'il y a une bonne équipe, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, donc ça c'est important. Et puis le lieu où on travaille aussi, c'est très beau, et voilà, ça me plaît. C'est du portugais que vous chantez ou dans... Ça dépend. On a du... Il y a des chansons en espagnol. Il y a une chanson en... Il y en avait une en anglais, c'est la dernière, là, je crois. Ouais, le I'm Not Romeo. Après qu'elle joue, elle est déjà... Donc c'est elle qui fait tourner l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Beaucoup de choses certainement, mais elle est très très dynamique, très très efficace, elle fait son boulot de manière très professionnelle. Et depuis qu'elle est à la tête de l'Alliance, c'est surtout l'atmosphère à l'Alliance qui a changé, les soirées qu'elle organise, les spectacles, le choix du théâtre, du type de spectacle de théâtre. Elle a donné une touche très très personnelle dans les choix pour le festival. Donc je dirais c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme et qui ça donne aux gens envie de venir, donc c'est très très agréable. Po mně se chce, aby jako něco o ní řekla, jo. A není to úplně jednoduché, protože já právě od ní můžu říct spíš jako ty pozitivní věci, jo. Je to prostě člověk, který ty ostatní umí strašně moc pohltit, jo. Prostě ani si to neuvědomíte a najednou pro ní pracujete a děláte pro ní spoustu věcí. A to já obdivuju. A je ještě jedna věc, co na ní strašně moc obdivuju, a to, že zůstává strašně humanistická. No, nad tím jsem přemýšlela nedávno, protože navzdory tomu všemu, že je prostě stres, že je moc práce a tak dále, tak ona
ona vždycky bere na prvním místě toho člověka. Jo, že ji třeba zavolají kamarádi a ona dokáže být příjemná a tak. No, a z jejich negativních stránek, to je taková jako povrchní záležitost, to je její velké bordelářství, její spousta papíru a různých věcí, které se valí po stole. Občas mám strach do toho sáhnout, do toho bimhla tam, protože mám strach, že je to žijící. Aude, je la connais depuis l'enfance. On avait à peu près 3 ans quand on s'est rencontrés. Et elle n'a jamais été vraiment trop différente de ce qu'elle est maintenant. Je dirais qu'elle a toujours évolué dans la créativité. Je dirais que c'est pas étonnant qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui. On a toujours été attirés par l'étranger, les voyages, parler des langues. À l'école, Odile était toujours une des premières en anglais et en espagnol aussi. Voilà, on a toujours aimé découvrir des choses ensemble. Aude, une personne indécise aussi, je pense que ça la caractérise bien. Quand elle était petite, elle a voulu être vétérinaire, puis photographe. Et après, on ne savait pas trop. Et puis, à chaque fois qu'on lui demande de prendre une décision, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on est toutes les deux pareilles sur ce point. Et oui, elle aime bien que les choses soient bien faites aussi, toujours. Petit côté directif, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est bien, je pense que c'est nécessaire. Donc, voilà, je pense que c'est une belle évolution et depuis que je la connais, je pense qu'elle n'a pas tant changé, elle a bien grandi dans l'objectif. A myslím si, že tomu místu že dala strašně moc, protože celou práci dělá srdcem, ale přitom organizovaně dokázala z toho místa ještě vytáhnout maximum. A to jsou srdečností, otevřeností, kontaktama, který má a to, že se prostě nebojí za lidma, zařídit ty věci, domluvit, když má nějakou představu, tak prostě se tím jde, ale velmi příjemným a takovým nedravým způsobem. Mas se tivermos, será antes do inverno na Hungria, ou meio depois da Ásia Menor, que eu sei de cor, dos nossos sonhos diamantes, nas bordas de diamante, da canção do amarante, que era pra eu ter feito.